Il a lancé. Il a lancé. Ça a commencé, Youssouf. Mesdames et messieurs, bonsoir. Monsieur le Président, messieurs les vice-présidents de l'UFDG, mesdames et messieurs, chers invités, chers militants sympathisants, chers compatriotes, bonsoir et bienvenue à la 13e Assemblée Générale Virtuelle de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée. Notre pays en proie à une crise politique sans précédent qui est de la responsabilité du tyran Alpha Condé, foudroyé par une crise sanitaire mondiale au foyer tout aussi incandescent dans un pays qu'il dirige d'une main de fer. Alpha Condé est surtout ce vieux pantin qui ploie peu à peu sous les conséquences désastreuses de son entêtement à demeurer ce président à vie. Ce n'est donc pas étonnant qu'il s'offre des vacances onéreuses pour effectuer un tourisme médical. Le référendum anticonstitutionnel couplé aux législatives fantaisistes du 22 mars 2020 et la présidentielle biaisée du 18 octobre de la même année ayant permis à l'homme de s'octroyer un troisième mandat illégal ont entraîné le pillage systématique et systémique des caisses de l'État, favorisé un endettement massif et l'usage éhonté de la planche à billets avec son cortège d'inflation à deux chiffres, chaque jour galopante. Face à un tel chaos, savamment orchestré par le chef d'un régime mafieux, le train dont le départ fut annoncé à coup de bluff ne pouvait embarquer que davantage de misère en quittant le quai. Plus les jours passent, plus l'horizon s'assombrit pour la Guinée. Infiltré au palais depuis 2010, en effet, Alpha Condé, très profane dans l'art de gouverner, n'a pas tardé à engager le pays dans la voie de la médiocrité. Pour parvenir à ses fins, il s'est accoutumé aux massacres électoraux, aux mascarades électorales. De son deal avec le régime de transition en 2010 à la présidentielle biaisée de 2020, en passant par le coup KO scandaleux perpétré en 2015, le dictateur guinéen n'aura usé que de la seule ruse. Pour tenter de faire passer la pilule du troisième mandat illégal et sans véritable lendemain, il a usé de tous les stratagèmes sous une propagande érigée en slogan « Le gouverner autrement » qui ne visait qu'à endormir davantage le peuple en vue de poursuivre la main basse du régime sur la Guinée et de saborder ses richesses au prix d'une gestion on ne peut plus clanique. Nous assistons ainsi au bal des amateurs et fossoyeurs de la République dont le seul recours a toujours été le renchérissement de tous les leviers économiques aux grandes dames des couches défavorisées. Du coup, après avoir surfacturé la téléphonie mobile au goût très amer pour les pauvres consommateurs, Alpha et sa bande ont mis à exécution leur promesse de revoir à la hausse le prix des hydrocarbures. Le litre des carburants est passé donc de 9 000 à 11 000 francs guinéens et affecté déjà le pauvre citoyen de plus en plus confronté aux fluctuations du marché quand les hauts percés, comprenez donc, au lieu de percher, percés, eux reçoivent leur ticket de consommation et vivent décemment avec leurs proches sans état d'âme. Le problème, c'est qu'en Guinée, tout va bien tant que la minorité au pouvoir tire son épingle du jeu. Quitte au bas peuple de ployer dans la misère ou à la jeunesse de sombrer dans l'exil à la recherche d'un meilleur refuge. La mort tragique de Saran avec son fils et plusieurs de ses proches en mer Méditerranée, il y a peu, est l'ultime cri de détresse d'une population exaspérée. Ce qui laisse de marbre les nouveaux colons de la Guinée qui ne pensent qu'à eux en réalité, en dépit de tous les tintamarres et autres balivernes entonnés à longueur de journée dans la cité sous quelques prétextes d'humanité. Ce cynisme révoltant du satrape et son clan couvre l'océan d'incertitudes devenues le quotidien des Guinéens. Des Guinéens dont la plupart s'accordent désormais sur leur désillusion
leur désespoir et partagent de ce fait le vœu pieux qu'un changement véritable puisse avoir lieu en Guinée. Mais comme Dieu est le seul maître de l'univers, il finira par étendre sa grâce sur un peuple en proie au coup de grâce d'Alpha Condé et de sa gouvernance rétrograde. Ce n'est pas de gaieté de cœur, Monsieur le Président, si nous abordons toujours l'actualité de cette manière. Nous le faisons parce qu'en refusant de dénoncer les tares de ce clan au pouvoir, ce serait trahir notre vision pour une Guinée de paix, de justice et de démocratie. Une Guinée où chaque citoyen se sent en sécurité et mange à sa faim. Une Guinée paradisiaque en un mot. Voilà donc pourquoi nous sommes réunis en ce samedi au compte de notre 13e Assemblée Générale Virtuelle qui est non seulement une innovation du parti, mais surtout une réplique à la dictature de M. Alpha Condé et de son régime illégal. C'est un débat d'idées qu'assume pleinement notre programme de société aux antipodes d'une gouvernance faite de misère et de désespoir pour le peuple martyr de Guinée. Alors, abordons les sujets qui fâchent parce qu'ils constituent le mode de pensée du clan Condé, hostile à la dénonciation et fermé à tout processus de changement, porteur d'avenir pour nous-mêmes et pour les futures générations. Du panier de la ménagère. De nos jours, rares sont les Guinéens qui ont accès aux trois repas quotidiens à cause de la cherté de la vie. Depuis l'augmentation du prix de litre de carburant à la pompe, qui passe de 9 000 à 11 000, l'on assiste à la flambée des prix de tous les produits de grande consommation. Un minuscule oignon coûte environ 2 000 francs guinéens actuellement sur le marché. Le kilo de riz local, plus propice à l'alimentation, est vendu à 10 000 francs guinéens, ou presque. Ce qui amène la plupart des citoyens à jeter leur dévolu sur le riz blanc de qualité médiocre. Que dire de l'huile rouge, des huiles végétales ou sans cholestérol? Le bidon d'huile d'arachide est passé de 300 000 francs guinéens à 330 000. Le sucre qui passe de 360 000 à 430 000. Le tableau est très alarmant, mesdames et messieurs, chers compatriotes. Ajoutez à la viande et au poisson, au prix d'or, ces condiments et d'autres ingrédients connaissent des fluctuations qui crèvent les poches. La facture salée du troisième mandat illégal est ainsi imposée aux pauvres citoyens. C'est la politique du renchérissement des prix à l'effet de booster une économie moribonde, victime du comportement prédateur, du régime narcissique et anarchique du dictateur Alpha Condé, qui, on ne saurait le dire assez, est l'ennemi numéro un du panier de la ménagère en Guinée. Du transport, avec le plus grand mépris et une arnaque débile, les satrapes se sont livrés à la hausse du prix des hydrocarbures. Cette autre approche suicidaire n'est autre que le résultat d'une gouvernance basée sur le vol et la dilapidation des deniers publics. Le troisième mandat illégal du régime d'Alpha Condé est aussi passé par là. Et à dessein, ces voleurs de la République ont tenté de masquer leur désinvolture, arguant qu'à l'issue de leur prétendue discussion avec un groupe de petits syndicats véreux, les tarifs des transports seraient maintenus. Or, dès le lendemain de la décision du gouvernement d'augmenter les prix à la pompe, mesdames et messieurs, les prix du transport à Conakry ont connu une augmentation de 33% pour les taxis dont le coût du tronçon passait donc de 1500 francs guinéens à 2000 et de 50% pour les minibus communément appelés chez nous Magbana dont le coût du tronçon passe de 1000 francs à 1500. En ce qui concerne le transport interurbain, pour le fret, le coût du transport de la tonne a augmenté en moyenne de 20% en passant de 500 000 à 600 000 pour le trajet de Conakry, Zérékoré, entre autres. Alors, il y a beaucoup de détails. Quand vous prenez de Conakry vers toutes les préfectures de la Guinée, il y a d'énormes changements. Pour qui connaît donc la place du carburant dans la consommation, il fallait s'attendre à ce réajustement unilatéral opéré à juste raison par les transporteurs, contrairement aux élucubrations de ce gouvernement mafieux. Monsieur le Président, Messieurs les Vice-Présidents, Mesdames et Messieurs, dans un tableau qu'il convient de porter à votre connaissance et celle du public,
il est aisé de constater ce réajustement consécutif à des choix mercantiles dignes d'un piteux régime en quête désespérée d'un nouveau souffle. Youssouf Camara, Madame Néné Oussou Diallo, Passy Condé et Charles Zoumanegui se relayeront respectivement pour nous aider à comprendre, à décortiquer cette réalité dans nos différentes langues locales. Et pour commencer, je vous prie, mesdames et messieurs, de recevoir Youssouf Camara. Mubara won wal sahilu marira mubaro ka bo mishmi ya ka buira sanu wonga umato wala ka dera folo wona mane wonga keli wonga wonga keri o malambure suriya bangura nangala gara fera wonga minute keri fiama katarabi wombore alfa marchi sina famba wala gara ne na sa sa o mafure biringu mana ke bara dunia lu ala gari na fema wonga minute keri fini bima. Ah, oh, d'accord, d'accord. Ah, la fin. Donc, Mouratu Nakui, Mangara Rakoto, tenant tout nom à Mugira Kelebe, Seria Nanan Falari, Moubarna, permission, Moubarna Harissa, Mouma Maroun Walsailou Marida, Wongon Sofira Irekene, Wouma Yishimiti Malayima. Onga lagi na kabili ngabu, onga lagi na kira, nualisa, onga inu toro fansa. De palfa kwanda sayi mangaya forse, afuaga, efuaga yi troisième plasa be, nabala fini wumbe yonso sabilibili ratu. Donko, yi monda saka ande kwa fe, abana lagi na kabili nti kame matu. Na kame, mikimuna yaba maburu be, berma unakulu. Agulu nsoso fure wa enara, alaga belara kwa ina maluga ba mikinyida. To wonna tore kurfa na kan kwanu ka merlisi sese batamara election sara na kan dora buru fe gore muye kui nana wonti rima ama famini ayete matoko akan ke gari duna ire bilin atan ayete lui na be ina ma mafoto kui ayeta souverain alu demba ka ayete lui fi ga yuba na no iga ga demba na mbalo ire makri iga se mwana le bilin shoyida. Mais comme nous avons lu tant de choses, il y a une élection qui est en train de se assembler à l'Oaïda, à Mengaya, à Makanka, à la Toma, à Noma. Je ne sais pas si je suis ma côté de Kia, je ne sais pas si je suis ma sabour, je ne côté Noma. Donc, nous avons eu le troisième mandat facture FIFA, il y a un tiré Nama. On a tongo, on m'a pas le schéma, on m'a quitté, on m'a fait une photo, on m'a fait la ménagère. On ne suka beki na kansa na mokoronu kobri wul kemesheni na balate wul kemesheni wul tongo sagan onno trobi don na kansa na mokoronu wul kemesheni na fambate wul kemesheni wul tongo sheni onno khia na kansa na mokoronu wul kemefri wul tongo solo fri na balate wul kemesagan wul tongo sheni onno sari na kansa na mokoronu a carton wul kemenani wul mogaya na balate wul keme solo masagan wul tongo sagan donc wonna tongo o mama le beki koronu ngonu na salama beno o mayi ri pakistanais 250,000 na bara sigato han a parce qu'a fait 350,000 wul keme senni wul tongo senni a so fait 400,000 lankui ana fama 2010 ay na ma le beki matima 25,000 to toni na sari famine fe na kui donc na kui o manna to na ikala sili matefe bar ma wonfa na ra ki sonon wantangir sali la nara ike wali amfa gasafe wama transport fang etwande sakun tungu naka tenu soferi naka so tombora bulok na tombora bulok fangu ndushi wana kulu wama wanu na hafi manu tronson kere ngul saka nabate wul dani manda tungu fera kuna kribu laka tamaska fera anjere kwe faida kina fantungu wul frang wuya kibara sana kuma nabara findi tunuri ya waga mantor lida. Donc on va kawali na ran kwikito on va alona tongo toujours on a bele makiti wonge wonyi buraga na ran salama gorno mura khiri kere 1000 francs na fambalate ha wulu senni ha wulu sulu masaka ona ona na bilin abara findi mantor lira nyamabe abara findi kontra filira wombe
bal madoron kwa madoron tunki ma bi ntagira ko tenara onna wan kwikito onna mane alaga ya falagina ya mama lagina ya ma rakata e gabra wangu wangu fukara wo mamenga magoro be lagina ya ma voti na gambe yifo mana ran tambiru fi de kraara bal ma yesans mate fa ta fon leba na ga ya kharan fa samagili se gbate na wonno ma na fuli tongore na ga wo maboksi te mini ma be ya yo ya mini ma kwa mini ma yanyi lagina ka ma mini ma dondo fo a mini ma fufara a mini ma pampa kui e bar na bil luna to bal ma na safi te na yubai gaba ku wo mai e kalbira an fera bal ma wo mbiri se biri ngoro ma na fora donc mu fo ma sera wi a de a won fa be to lagina kala tu kinara anu anu toro safi ala ga ya fa lagina ke ma onna ala ye shurina meki alfa konde tore kunku na bambanga na kepenira ala agura ku gari o mama nda binge na election shotori ongalo akambra akakafu ma akra sa ombuma mangana kamwe kama ala ko akagula makari ala ko akari shoy bohi atane ku salam merci merci au grand académicien Youssouf Camara. Il faut dire qu'il serait important d'ouvrir une école de Soussou où Youssouf Camara pourrait être un excellent formateur. À présent, recevons Madame Néné Oussou Diallo, membre du Comité national des femmes. Je rappelle que Youssouf Camara est membre du bureau exécutif, vice-coordinateur de la cellule de communication et conseiller à la commune de Matam. Madame Néné Oussou, s'il vous plaît. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi salmini président me Mamadou Sellou Dalen Diallo mo gine en fop votani wadi président en fop do ngande election di feddi didin do ko président me Mamadou Sellou Dalen gagné ko kanko le gagné ko kanko gagné ko mi wattata e hore do mi salmini sonnajo makko Hadja Halimatou Dalen Diallo nene miskina nene gine nene fop mi salminimo ko mi watti hore do mi salmini honorable Alain Touré mi salmini honorable Ousou Fofana mi salmini binnama wondo e der o sal mi salmini on fo mi do salmina binnama hedi do e ndumurado no wonden fuddorde e tobbe didi wodi ko mi yewta on do tobbere aranere den ko fi o ko be wiata carburant essence et gasoil et pétrole ki don andi balde feddino président men Alhaji Mamadou Sellou Dalen hollituno en wonnama si carburant on si beydi tama tun piji din fop sansay ka sare e ko non le woniri e Alhaji professeur Alpha Condé habbi pay koy koy lanni examen ji din tun o tokki don ko huluno den kon en dadali o beyditi choggo carburant hino joni choggo carburant beydi tama enen nendirabe ko ene woni nene aduna ko ene woni ka cuudi ko ene woni ka yaasi faybe men no jangi hebali golle hi ko hollo wonde warrude dum hari aranu sa yetti gulluji temedera yeyi ka marché asodai maro seeda soda mafe seeda ara nyamu kono hande gulluji temedere ko beynata ko ka porto wonde ma 50000 francs guinéen dum gaynata hay e hunde hi ko honno men rewbe men warrata ko hamba men sutoto hande kadi hi ko honno me warrata e Alhaji professeur Alpha Condé kanko mara yurmende e awado mi andini on rewbe men sonjike men tampi hande ka prix essence beydino igol konakri ya kankan hadi ko 400000 francs joni be watti 50000 francs igol konakri ya zero kori hadi ko 500000 francs be watti 600000 francs si a joga kidino dun do non ko ko yaadu tun ko be na ta ko ale retour harata wakato si a joga ki din don artata hi ko honno mena men gerdata bayi don andi bare wakandu nangata ko honno mena robo be men gerdata men mapike Alhaji Mamadou Sellou Dalen men mapike ko onon gine en wotani hotti gine ko onon wotani gine forestier ko onon wotani bas gine ko gi onon wotani moen gine ko onon wotani professeur Alpha Condé ko dole holli men yeyi jodi Cheikh Touré e mo andi guinéen si guinéen hay e goto faala kamo o holli men doole be yaltini gardi be pi yimbe be nangi yimbe soka yimbe wara jawle bonna awa men ani yimbe ani e joni non be ni wo sariyan wo no wi wonde ma
woko ko kambe piri ko be wawli kon woko du wawata gasude dun no wawi gasude a joma galle ko an soodi auto ma ko an soodi essence ma a jetti bandu ma jodi ka dogini auto wal lamu no wawi wiude wonde ma gal auto wal don ko piri do gasata dun wawata wadde tronçon ande ko jelu wana wadede tronçon goto hari ko 1500 taxi joni tronçon ko 2000 francs ko benata ko magbana baka sa jabi ton a jogaki 1500 jidi alla tawida wawi gere paybe piete a hakkille ma den bona joni jama on do ani Alhaji Mamadou Sellou Dalé dun don foko on do woni hore dun ko bay enen guinéen en fortali enen guinéen si en fortuno joni dirde juude nano dirde ko andude wala ma ko Alhaji Mamadou Sellou Dalé laami hara en da rali ko dun am be dun an en fop yaltide jogondirde wondo nene goto baba goto o sikkude dun do wadayno wada tan joni non o yindi o do ko soso o do ko kisi o do ko toma o do ko kuranko joni den e hore dum e alfa konde joddini sariya mon on e hore me wonno gerdete abami yamiri gine en fop ko yen fot joni ndiden juude men den nanondire seren ko dum am bedun an si en nanondiri billahi wallahi tallahi Alhaji Mamadou Sellou Dalé en nabay mo haa hewto e seku toure sori no jogi dole a sori no jogi dole kono ka aduna fop yalti be wawata hay e fous hay fous be wawata hay rewbe teme dido yalti dari sori wawata be nangule wassalam. Merci, merci à Madame Nene Oussou Diallo, membre du Comité national des femmes. Je vous prie de recevoir Monsieur Passy Condé, communicant conseiller à la commune de Ratoma. Madame Kiani Mousso, Dini Animo Bal. Na fama jini walni malon folia ni ka ben ramena al siro kal nyama lo ana barukana mena barukana me kala sababu di kala gine kadil hankili la ka barukana me kala sababu di ka gine troya ta ka la frero ambe ya tente ka mafene muya dalulu di maya kundi ni mbora ina folie cela ana masake ma la gine kadem be ki bulufa momendo ka swandi ka ben swandi la ba men kente na to eko elaz Mamadou Sellou Dalé ngalo Namborai bi tolote sansama ambe brai troya me la guiné delka fula côté kisi côté bresse côté toma côté wo wati tamini anna président ela Sellou Dalé Diallo akilo ya kaira kala kafoko alna to ka sansé damaele karasini damaele ukoro akaira ka kafoko saria cité gouvernement bulu kaira ka ler mena ka foko krasini da ka kan ku kamaele al kan ku no ko alulie al bolo tala kala krasini son ko li kan woli barake bibi men do tro barak barak jamana ka ela se luda len jallo akaira ka la ka foko krasini da la ele wati titenya al ka gouvernement bora fana kaira kalna ko alul di se krasini da maele la wo tro ya sitina sila jamana ko no delma ko transport da ti maele maluboro da ti maele frifil dati ma ele lo ferlo akaira ka kafo ko ti se bena ni ka krasini da ma ele ya ta si se kafo kiyo doni ta yan ka wadi zere kuri alte al dai kala mamli ko no gite tala ka ke mamli ko no krasini de tato ka kya ko no ka bo wa ko no ndoro ka wa tan kelendo ile ti se na la marchandise tala yan do yi bolo bli ku kan no fuluta ka marchandise ka banko transport sara ka bo adi yan ka wadi zere kuri ku le wa odi e ka san son ko mena e wadi son ko kelen wulai e komi do li a gimina anundiro almanya yi ka nyafali almanya yi bi anya mafene maloboro kelen bi m'interessa na wa keme sabala we sana bi wa keme saba wa bi lolu dolbara wa keme saba wa bi saba ni ka mafene anya tulubidonta wa keme fla le di o brase wa keme fla wa bi lolu wa bi sendo bi anya transport lita kona kriso kona yando syndical kalsi kwali alsi kal bolo di nyoma kal hankli di nyoma ko ka fo sofer lien sofer le kana son ka transport da mayele me wol fanante jika la mamli ko no taxi et ala al bulu ko sal fanande se alla dimba ya balu soro naro wol ka oke al ka transport si ko transport mayele mana me bibi me no transport me tre wa kelen kema lolu di ir isona idi wa flasra ni ma son idi wa flasra ou bien ini sofer ke al di nyona griki butonate wotem ni ka bwala signa do fanan temna ya an kaira kala gine kadella
kafo kan kana si kanya ben troya ye ke dolka dolio ke al tolonko di almanya yi nanka ma fenen bi ko me temina sigiri adi fo jamana me mai ko fulata wati temina ya alwara anna walijuke me pita alwara u baramina ka frutu munta ka la sarsala la lukono alikam sunam salila dial mina kal bedatu futa jamana kono anta fola ka foko siko yaye zere ko ma fene alwara ko amon faaye ndo kam won sudon suro den ka kudun lono kalta kalbla den ka kono lagine kadel kisi kal nyado ma momakma bi anya fulatali o be kan jamana joro leji almando grefo société ni jomna kono del benad dalulu kam ma kal del de me kalbla barala alko le mayinika mo jeli yembi mel bonona niro mo jeli ni mel minani kalbla kasula woro jamana kono dendu fanyansi kanyabe anyoma anyambulo do nyombulo nan kantolo malo mansamela meli yembi ka freke kante fra anna jamana ti se wala nyefe troya mebi atalulkan ayandulle kan andulle lo fero amusolle loro andelle loro andulle transport sarala aluma ko site alba membo andulu bolo wole tato ka kallulku nimbora yoro ndina na famaji ni walni malon folita kadi militant ke ani musulma fo isi ni ura mena kama fene ni sirai wa salam merci merci Passy Condé. À présent nous recevons Charles Zoumanigui, membre du comité national des jeunes pour le Luma le Peléo. Nemu da nanu ga katyo bwe ga ta rebo bel pika kala ku ka katyo bwe wo ma bomen da comme assemblée générale victoire de l'UFDG pilu mo wole wo kan kle ku ka no kle na helika ye hula na men te te ange te gwo na uba ku pon ma jukle ka ka nya ka mo ne kle ku ka me le man ba ku ka mo ne ti men akati kle mo ne kle ku ka me gwo pede da comme ya nge gugu ye to ma lo drit otom ya di ka comme prudence lu dalen jalo ya nge ku comme ku ka bo ka no na mo o homo ya menele nge gukaju gwa pol daple wonya ngoba ma obo gwa daple wonya ngoba monene guka me gwo mono hupe kape kenen ji afa konde emo ya ma hwe anwotwa ga manda ne ka gumo gwa ma gotwa ga manda menhu ya ma hwe anwotwa ga manda men ye ka nwa mane du wata gupo e ga gupo election organisé ya nge da kama union européenne de ma francophonie ya da cdao de be da wata gupo e ga gu election organisé alfa konde comme e ko bo onoka ya nwa ti dia ya makaka ka ka wali ba nya bini ga election organisé nga gura la gine mo to hu wali ti ogura ga yiti hu kele wa ho ka ga hu gona ka ba ka mane gu wa ha gu pele gu bu ga hu lu ka ti ga gu mo na ti mela ka ga mo ya ma ho ada pa mo nya ho ba ngu ga ti gu pe da sel da le ja la mo ya ma gu pa da pa mo nya ho ba ne le nge ba ma ho bo gu da pa mo nya ho ba ne le nge ba transport a capete ya transport a date jangan be du ho a palama il be ga ku ka jana tete ho hu kule ka boela boela yi ku ka nya no pa nya awa to no yi wi nge ga kle awa ha ba wa mu no wa ko na pe pe ti ku ka nya a mu no yi wu kle wa ko na ya ka ba ojo bo wa wa ha ba wa mu no wopo wopo nge ku ka nya awa ho le mu no ya ka kle bo ojo bo wa wa na sukabi sukabi wo di ken no to avant de d'apprendre mon nom ba sukabi ngi ken no to a wa mun jaba wa pomenda ga yu a wa una wa poraba wo kone na lumu ebo a la nono nono bi ngi ku kenya a wa mu vela wa pomenda ga yu a wa mu jaba wa pomenda yu la la sadin katole ku kenya a wa una wa pohola ga yu a wa una wa pokomenda kuka yukele ka mahobo galbira nge wonya wonge e daplama yukele ngo monoka ti gen mene mene ti kele jeta yula hela ka bini ka ka goji yu transport akele data gwa ka bakona ti dakwe taxi nge buke je awa to no wa uno ga yu awa hola yukele mahobo mano de cabo du wal du wonya ho tapama e ga ngwa nge duju ka troisième mandat mon ba gwa pa man jala ya ka tele kona ki yel jal ko ya kona ki yel jal ko baka gwa gu kenya a wan vela guka yaketi ye ba jako lo tia ba jako yela yela ya yezu ba kona ki yela jako gu kenya ba a wan nor yu ate a wan menda
eke manakati leman ba kago bo janga ko pel ma wala do wa pel ma ma o da pel mo blu ba nu da ka yoka de ka bo du lotien ya de du noto e ga du wa du du to no ho bo akati da pel mo blu ba wala da pel janga ho ba ku ka yu ke bo ka ho ba ko kwe ne men lu ko ju ko ka me ku ka ju ka pour que kunne ka ko mo ne ke gu ka me alpha konde bo wa ma gu mo ne ti me il be ma ne gu ke gu mo gu to Goma yi ku kama selu dale presidential dale jalo beke alagne mo president gogu hipe gure gweti kwai han leju alpha kone e cross secteur ya beple ne e la un nombre ogwonde leguye ma obo monenge hu akana ka ele yango akhekele gogu yeta ku kinpo uye ka pele monetu ngole oti kala vo pa jukwa nuna hekele ka ya kati belo pe ka kala ka ka wito ngole umeba ngaka makaga Merci, merci à Charles Zoumanegui. Alors, nous changeons de registre pour aborder la situation des victimes de la répression barbare de nos différentes manifestations. Vous savez que tous nos droits ont été acquis à la suite d'âpres luttes. Ça n'a pas été facile, à commencer par l'organisation des législatives de 2013 jusqu'à aujourd'hui. Chacun des droits qui nous a été reconnu l'a été à la suite de manifestations parce qu'on a affaire à des gens qui sont sans foi ni loi, qui n'ont aucune volonté de respecter la loi, encore moins de faire dire le droit. Et donc, ils sont nombreux à être tombés lors de ces manifestations. Nous allons vous faire lecture d'une catégorie de ces victimes, notamment ceux qui sont morts et de nombreux blessés à vie. Merci. Alors la lecture va être faite par Madame Marema Siré Barry. Elle est membre du bureau exécutif. Elle est responsable des services d'appui à la cellule de communication. Alors, merci mon cher Joachim. Bonsoir Monsieur le Président. Il l'a fait déjà. Bonsoir, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Conseiller, Madame la Première Dame, responsable militant présent dans cette salle. Bonsoir à vous. Bonsoir également à nos millions d'internautes qui nous suivent cet après-midi. Alors, je vais vous faire lecture du bilan de la répression policière du 19 octobre 2020 au 16 janvier 2021. Pour faire passer le hold-up électoral lui permettant de s'octroyer son premier mandat, son troisième mandat plutôt, Alpha Condé a déclenché dès le lendemain du scrutin une vaste campagne de terreur contre les populations guinéennes. C'est ainsi qu'il fera séquestrer le leader de l'opposition vainqueur de cette élection, fera occuper le siège et les bureaux de ce dernier et déclenchera une répression aveugle contre ses partisans avec l'appui de l'armée réquisitionnée à cet effet. Le bilan provisoire de cette répression est de 51 morts, dont 4 personnes décédées en détention par manque de soins. Des centaines de blessés par balle, environ 350 arrestations, dont plusieurs membres de la haute direction de l'UFDG et d'importants dégâts matériels. Vous verrez à la lecture de cette liste que l'écrasante majorité des victimes de ces assassinats ciblés appartiennent à la même ethnie que le leader de l'opposition. Kermo Nassirou Silla, 15 ans, élève, tué le 19 octobre 2020 à Wanindara, dans Ratoma. Abdoulaye Diombo Diallo, 18 ans, élève, tué par balle le 19 octobre 2020 aux alentours de 17h à la carrière. Mamadou Moussa Ba, mécanicien, tué par balle le 19 octobre 2020 à Sanoya, son corps a été emporté par les forces de défense et de sécurité et reste encore introuvable. Mamadou Saïdou Diallo, 14 ans, élève,
tué le 19 octobre 2020 à Koza. Et là, je suis dit Barry, 20 ans, élève, Kakimbo, tué le 19 octobre 2020 à Amdalaï Pharmacie. Mamadou Lamarana Barry, 33 ans, informaticien et assistant technique de l'UFDG, tué par les forces de défense et de sécurité le 20 octobre 2020 à Bambeto. Salima Touba, 22 ans, étudiante, tuée par balle le 21 octobre 2020 à Bailobaya. Boubacar Baldé, 28 ans, étudiant diplômé, tué par balle le 21 octobre 2020 à la T8, résident à Bimbako, dans Fatako, la préfecture de Tougué. Saïkou Oumar Diallo, 7 ans, tué par balle le 21 octobre 2020 à Koya, Frigiadi. Ibrahima Baldé, 25 ans, étudiant, tué écrasé sur la tête par le véhicule de la gendarmerie le 21 octobre 2020. Mamadou Madiou Diallo, 3 ans, tué par balle le 21 octobre 2020 à l'Abbé. Mariam Ba, élève, tué le 21 octobre 2020 à la T6. Abdoulaye Hakamiou Ba, 21 ans, tué le 21 octobre 2020 à Foulamadina. Abdoulaye Djibril Ba, 21 ans, élève, tué le 21 octobre 2020 à la T8. Amadou Ba, 19 ans, tué le 21 octobre 2020 à la T8. Kerno Mamoudou Pate Ba, 20 ans, étudiant, tué à Bambeto le 22 octobre 2020. Amadou Bailo Diallo, 18 ans, chauffeur, tué le 22 octobre 2020 à Bambeto. Mamoudou Diallo, 21 ans, tué à Koloma le 22 octobre 2020 par la CIMS de Solo Primo. Daouda Kanté, 38 ans, tué le 22 octobre 2020 par la Bata à Pita. Ouri Bailo Diallo, 15 ans, maçon, tué par balle le 22 octobre à Télémélé Centre, quartier Koli. Mamadou Aliou Diallo, 17 ans, élève de 9e année, tué le 22 octobre 2020 à Bambeto. Tcherno Amadou Barry, 22 ans, tué le 22 octobre 2020 à Koloma. Souleymane Barry, 29 ans, tué d'une balle dans le visage le 22 octobre 2020 par les forces de défense et de sécurité à Kobaya. Ibrahima Sori Kamara, 18 ans, mécanicien, tué le 22 octobre 2020 à Bambeto. Mamadou Lamrana Diallo, 16 ans, élève en 7e année, tué le 22 octobre 2020 à la T8. Mamadou Sow, 20 ans, apprenti garagiste automobiliste, tué par balle le 23 octobre 2020 à Petel. Fatmata Binta Barry, 22 ans, tué le 23 octobre 2020 à Amdalaï. Mamadou Diao Diallo, 42 ans, forgeron, tué par balle le 23 octobre 2020 à la T8. Maïmouna Kamara, 70 ans, tué par balle le 23 octobre 2020 à Mamou, quartier abattoir. Mamadou Barry, 26 ans, tué le 23 octobre 2020 à Kobaya, secteur 6. Mamadou Saliou Barry, 15 ans, élève, tué par balle le 24 octobre 2020 à Mamou, Timbo. Abdoul Karim Touré, 19 ans, élève, tué par balle le 24 octobre par un béret rouge à Koloma. Souleymane Ba, 29 ans, tué le 21 octobre 2020. Mamadou Diallo, 32 ans, tué par balle à Bailobaya le 21 octobre 2020. Mamadou Lamine Diallo, chauffeur de taxi-moto, tué par balle à Wanindara le 21 octobre 2020. Mamadou Kababa, tué par balle le 21 octobre 2020 à Wanindara. Maria Touba, tué à la T8 le 21 octobre 2020. Oumar Diallo, 10 ans, tué le 21 octobre 2020 à Frigiadi. Mamadou Saliou Diallo,
tué à Dar es Salaam le 21 octobre 2020. Mamadou Lamarana Diallo, tué le 21 octobre 2020. Tcherno Midiao Diallo, 2 ans, tué le 22 octobre 2020. Mamadou Bobo Diallo, 23 ans, tué le 22 octobre 2020. Mamadou Bachir Diallo, 23 ans, tué le 22 octobre 2020. Abdoulaye Ba, 28 ans, tué le 23 octobre 2020. Mamadou Djouma Diallo, 16 ans, élève, tué le 23 octobre 2020. Mohamed Camara, 17 ans, tué le 24 octobre 2020. Tcherno Ibrahima Sow, 62 ans, mort en détention le 16 novembre 2020 à la maison d'arrêt de Corentine par manque de soins. Mamadou Lamarana Diallo, 25 ans, mort en détention le 5 décembre 2020 à la maison d'arrêt de Corentine par manque de soins. Notre cher Roger Bamba, 41 ans, mort en détention le 17 décembre 2020 à la maison d'arrêt de Corentine par manque de soins. Mamadou Ouri Bari, 21 ans, mort en détention le 16 janvier 2021 à la maison d'arrêt de Corentine par manque de soins aussi. Que Dieu ait pitié de l'âme de toutes ces victimes, comme quoi il faut continuer à résister. Résister et encore résister. Merci. Merci. Merci donc à Mariama Siré Bari. Vous comprendrez donc cette cinquantaine de victimes, ce sont ceux-là qui ont été fauchés entre le 19 octobre 2020 et le 16 janvier 2021. Nous n'oublions pas les victimes de Nzérékouré et d'ailleurs d'un peu partout de la Guinée. C'est un début. Pendant nos prochaines assemblées générales, nous vous donnerons la liste des autres victimes. Pour l'instant, nous invitons Mme Nadia Naman pour le commentaire de cette situation. Merci, cher Joachim. Militants et sympathisants, chers compatriotes, la liste que vient de parcourir ma collaboratrice Mariama Siré appelle quelques commentaires. La plupart de ces jeunes innocents, âgés de moins de 20 ans, ont été abattus lorsqu'ils manifestaient leur joie suite à l'annonce de la victoire du candidat de l'ANAD. Certains ont perdu la vie suite aux exactions qui leur ont été infligées par les forces de défense et de sécurité lors des expéditions punitives déployées dans la commune de Ratoma pour imposer par la force le hold-up électoral. Pourquoi tant de haine et de violence? Pourquoi tant de sang versé, de vies perdues, de biens détruits, de libertés confisquées et de droits violés par ceux-là même qui sont chargés d'assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens? Pourquoi ces assassinats extrajudiciaires? Pourquoi ces blessures physiques et morales restent-elles impunies? À quoi sert-il d'envoyer des missions dites de réconciliation dans les fiefs de l'opposition lorsque tous ces crimes, toutes ces blessures sont ignorées et restent impunies? Et lorsque les autorités refusent aux victimes et à leurs ayants droit leur compassion, le droit à la justice, à la réparation, malgré les maintes engagements contractés à cet égard. Lorsque je pense aux parents du petit Mamadou Midiao Diallo, âgé de seulement 3 ans, qui a été tué par balle le 21 octobre 2020 à l'Abbé, je suis affligée en tant que femme, en tant qu'être humain. Et que dire de Mariama Ba, âgée de 32 ans, tuée par balle le 14 mars 2018, alors qu'elle vendait des brochettes devant la cour de son domicile pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle laisse un veuf inconsolable et 6 orphelins en bas âge qui continuent de s'interroger. Jamais il n'a été question de justice pour elle. Que dire de Marie-Jeanne Sidibé, réceptionniste dans un hôtel, tuée par balle le 21 juillet 2020 à Yataya, alors qu'elle regardait la télévision dans son salon? Marie-Jeanne n'avait absolument rien demandé.
Que dire de Aljouma Diallo, ambulancier, matraqué à mort par les forces de défense et de sécurité à Labé, alors qu'il transportait les corps des victimes, le comble de l'inhumanité. Même dans un pays en guerre, on protège des ambulances, on les épargne à tout le moins. Que dire de Mohamed Silla, 17 ans, élève tué par balle à Wanindara, sa mère reste aujourd'hui inconsolable. Et que dire, Joachim l'évoquait tout à l'heure, de la trentaine de victimes anonymes enterrées nuitamment dans la forêt du 1er mai à Zérékoré, dont les proches continuent désespérément d'attendre des nouvelles. Peut-on, chers militants et sympathisants, chers compatriotes, dans de telles conditions, peut-on affirmer que ce sont les proches des victimes qui refusent de bénéficier de la compassion des autorités et de la justice de la République? Non, je vous laisse y répondre. Militants et sympathisants, chers compatriotes, il y a exactement 2 semaines que je me tenais ici devant vous et que j'exhumais des souvenirs particulièrement douloureux renvoyant au massacre de Zogota. Souvenez-vous de l'horreur, souvenez-vous de l'indicible. Je vous parlais de l'indifférence et du mépris du gouvernement face à ces crimes odieux et au déni de justice à l'échelon national qui avait conduit, souvenez-vous, à la saisine de la Cour de justice de la CEDEAO. Cette juridiction régionale avait établi la culpabilité de l'État guinéen, la culpabilité de la Guinée dont les forces de défense et de sécurité ont été reconnues coupables d'assassinat, d'arrestation arbitraire et de torture contre les habitants de Zogota. La même juridiction régionale avait condamné l'État guinéen au versement de 4,56 milliards de nos francs pour sa responsabilité dans cette tuerie. Cette décision, comme vous le savez sans surprise, demeure à ce jour inappliquée. Eh bien, j'ai le regret, le grand regret, de me tenir devant vous aujourd'hui pour vous parler de Zogota Bis, car c'est bien de cela dont il s'agit. Il s'agit cette fois des événements survenus à Foulata, localité de Sigiri. Vous le savez, vous l'avez suivi, vous en avez été ému et secoué. Les forces de l'ordre ont réprimé dans le sang des femmes guinéennes, leurs compatriotes, dont le seul crime était de demander le recrutement de leurs fils et maris au sein de la société aurifère de Guinée. De la même manière que les paisibles populations de Zogota demandaient le recrutement de leurs fils et dénonçaient la violation de leurs droits sociaux et environnementaux. Bis repetita, tous ont été réprimés dans le sang. Mais il y a une question qui se pose, vous en conviendrez. Est-ce qu'on avait besoin d'autant de violence contre les femmes qui réclamaient pacifiquement des emplois pour leurs enfants et leurs maris? Mamadi Foulata Camara, responsable de la jeunesse de Foulata, confiait ceci à un journaliste de Guinée Matin, je cite, « Nous sommes tous en brousse maintenant. Les forces de l'ordre sont en train de violenter les citoyens. Ils brûlent nos maisons, tirent sur nos animaux. Aujourd'hui, tout le village est en brousse. Il y a des femmes qui ont passé la nuit sur les arbres. C'est comme si nous étions en guerre. Tu ne peux pas imaginer les exactions que nous subissons aujourd'hui. » Ces faits démontrent, chers compatriotes, militants et sympathisants, que le seul langage que connaît ce régime est celui de la force, de la violence, de la terreur et de l'intimidation. La seule solution envisageable pour le régime Condé réside dans la répression meurtrière. La seule réponse à apporter au problème des Guinéens est la militarisation. Vous réclamez pacifiquement de l'eau et de l'électricité, on vous arrose de gaz lacrymogène et on vous roue de coups de matraque. Circulez, il n'y a rien à voir, tout va bien, la Guinée est le pays des droits de l'homme. Vous réclamez pour vos fils et filles des emplois tirés de l'exploitation des ressources minières de votre propre pays. On vous répond avec des tirs à balles réelles. Circulez, il n'y a rien à voir, la Guinée est une démocratie. Vous osez élever la voix pour dénoncer la mauvaise gouvernance, le hold-up électoral, le troisième mandat. Pire, vous toussez seulement, vous atterrissez manu militari à la maison d'arrêt de Conakry. Circulez, il n'y a rien à voir, la Guinée est une belle démocratie. Vous êtes handicapé, vous manifestez pour jouir ne serait-ce que d'un minimum de conditions de vie décentes. Vous êtes déguerpi, vos biens sont pillés, détruits, sinon emportés par les forces de sécurité. Circulez, il n'y a rien à voir, la Guinée est une belle démocratie. Vive le gouverner autrement, vive la prospérité partagée, c'est la Guinée qui gagne, Guinée's back. Nous sommes souverains et très heureux, et que sais-je encore. Chers compatriotes, militants et sympathisants,
pendant combien de temps, dis-je, allons-nous continuer à pleurer ainsi nos morts et à soigner nos blessés? À quand la fin du décompte macabre? Pendant combien de temps les populations guinéennes continueront-elles à souffrir de cette répression aveugle et sourde par les forces de défense et de sécurité? À quand la fin de cette série noire demande les veufs, les orphelins? À quand la paix, la sécurité et la justice pour les familles des victimes plongées depuis 10 ans dans un deuil interminable? Auquel deuil s'ajoute le mépris et le déni des autorités? À quand? À quand demandent les veuves et veufs? À quand demandent les orphelins et orphelines? À quand demandent toutes ces populations éprouvées? Merci de votre attention. Merci à Nadia pour ce commentaire. On ne sait s'il faut s'en réjouir ou en pleurer, parce que aussi brillant qu'est ce commentaire, il nous renvoie à la douleur que nous subissons au quotidien par la faute de ceux qui nous gouvernent à tort, parce qu'ils n'ont pas le droit d'être là. Ils ne sont plus légaux ni légitimes, enfin ils sont plus légaux, puisque la constitution sur la base de laquelle ils se sont offerts ce troisième mandat, elle-même est illégale. Donc il n'y a aucun argument de légalité ou de légitimité aujourd'hui qu'ils peuvent arguer pour justifier leur présence. À tout seigneur, tout honneur, nous allons recevoir le président élu de la République de Guinée, même s'il n'exerce pas le pouvoir. Je le dis encore, même s'il n'exerce pas le pouvoir, il reste et demeure le président élu de la République de Guinée, monsieur Mamadou Seydou Dalein Diallo. Merci. Alors, comment je sais? Militants et sympathisants de l'FDG qui nous suivaient de l'intérieur comme de l'extérieur du pays, chers compatriotes, non-membres de l'FDG qui nous fait l'honneur de suivre notre Assemblée Générale, je tiens à vous réitérer à tous notre engagement de défendre les valeurs qui vous sont chères. Les valeurs qui, je le sais, sont chères à tous les Guinéens, qui sont attachés à l'instauration de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. L'ambition de l'UFDG, c'est de répondre à cette attente des Guinéens, cette longue attente des Guinéens. J'ai été très ému en écoutant tout à l'heure Mariam Assiré égrener la liste des violences dites post-électorales et en écoutant également Nadia Naman qui a fait un commentaire effectivement très émouvant. Je voudrais vous demander à tous, on n'est pas suffisamment nombreux, distanciation oblige, à vous lever pour observer une minute de silence pour le repos de l'âme de toutes ces innocentes victimes de Alpha Condé. Très bien, je vous remercie. Nous avons le devoir de continuer ce combat pour que ces sacrifices ultimes ne soient pas vains. Ils sont plus de 200 jeunes, la plupart jeunes, 200 Guinéens qui ont été abattus lors des manifestations pacifiques de l'opposition politique ou du FNDC. Nous allons continuer à égrener leur liste pour qu'ils ne soient pas oubliés. Mais nous avons, nous qui avons survécu à ces violences, à ces assassinats extrajudiciaires, de continuer la lutte. Il est hors de question de laisser ces gens mourir pour rien. Nous aurons trahi leur mémoire si nous arrêtons
notre combat pour l'instauration dans notre pays d'une démocratie exemplaire et d'un état de droit capable de garantir l'exercice plein et entier des libertés individuelles et collectives. Je voudrais rendre un hommage à nos prisonniers qui sont des otages politiques, comme ça a été dit. Les 87 prisonniers politiques qui sont détenus à la maison centrale et les plus illustres d'entre eux, je vais parler de Étienne Soropoghi, je vais parler de Fonike Mangue, je vais parler de Kouali, de mon ami Abba Bogos, je vais parler de Ismaël Koundé, je vais parler de Mamadi Onigovi, je vais parler de Eladj Abdoulaye Ba, l'imam de Wanindara, et de Abdoulaye Ba, l'ancien président de la délégation spéciale de Kindia, dont la semi-liberté a été révoquée parce que simplement il a donné son avis sur l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Qu'ils sachent qu'ils ont le peuple de Guinée derrière eux, parce que les Guinéens, le peuple de Guinée, nous sommes tous sensibles à l'injustice. Ils sont victimes d'injustice. Qu'ils sachent qu'on continuera le combat jusqu'à ce qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Ils sont innocents. Ils n'ont fait qu'exercer leurs droits, tels que définis par la loi fondamentale et les lois de la République. Leur seul crime, c'est d'être opposé au mensonge, à la mauvaise gouvernance, au hold-up électoral et à la violation de la Constitution de la République. Je voudrais vous parler de deux choses. D'abord, je vais essayer de clôturer, ou en tout cas, revenir sur le bilan général Lansana Conté et attribué à ses premiers ministres. Je ne vais pas être long dessus, j'ai traité. Je vous avais parlé de ce qui a été fait et qui était positif. Je n'ai pas accepté qu'Alpha Condé dise qu'il prend la Guinée là où Sektouré l'a laissé. Et je n'ai pas accepté qu'il dise pendant le régime de Conté, il n'y a pas eu de développement, il n'y a rien eu. Si bien donc qu'il prendra la Guinée là où Sektouré l'a laissé. J'ai essayé de mettre en évidence qu'il y a eu des progrès importants. Il y a eu sans doute des faiblesses. Je ne peux pas les nier. Mais il y a eu des progrès importants. Je vous avais parlé des infrastructures routières, sans parler des pistes rurales qui ont été réalisées à travers le PNUR 1 et le PNUR 2 avec le génie rural. Je ne vous avais pas parlé de ce qui avait été réalisé à Conakry, notamment l'autoroute de Tombo à Bessia avec les échangeurs qui sont là, dont j'étais, grâce à la confiance du président Lansana Conté, le maître d'ouvrage, de la route Hamdallaye Bellevue, réalisée par Andrade Guterres, la voie express de Hamdallaye jusqu'à Somfonia, qui a été réalisée par Anko 5. Je n'ai pas parlé de tout ça, mais je veux bien qu'on accepte qu'il y a eu progrès. Je dois reconnaître qu'à partir de 2000, il y a eu des difficultés. Il y a eu des difficultés, mais je vais vous dire qui
pourquoi sont responsables de ces difficultés. Je vais vous parler des manœuvres de déstabilisation du régime à travers les complots, les tentatives d'assassinat du général Lansana Conté et surtout des agressions rebelles et contre notre pays perpétrées à partir de septembre 2000. Lorsque il y a eu ces actions, bien entendu, la priorité, c'est la défense de l'intégrité territoriale. La priorité, c'est la défense des institutions. Beaucoup d'entre vous se souviennent que des parties de notre territoire ont été occupées. Gekedou était entièrement occupé. Yende Milimo, dans Kissidougou, était occupé. Madinaoula était occupé. Pamalap était occupé. Il fallait défendre l'intégrité territoriale. Le général Lansana Conté a mobilisé l'armée guinéenne pour défendre notre intégrité. Et il l'a très bien fait. Nous avons pu être maîtres hors d'état nuire les rebelles. Il y a eu des pertes énormes, puisque des centaines de Guinéens, civils et militaires, ont été tués. Et le brillant officier que certains d'entre vous connaissent, le colonel Panival, a été froidement exécuté par les rebelles à Madinaoula. Mais à partir de là, la défense du territoire et les institutions de la République a entraîné une explosion des défenses de sécurité qui a eu pour conséquence le déséquilibre des finances publiques, la remise en cause de la stabilité macroéconomique et une forte réduction de la capacité d'absorption des financements extérieurs pour le financement des projets et programmes de développement. Si bien que le niveau d'investissement et de développement enregistré dans les années 1990 n'a pas pu continuer à partir de 2000 parce que nous sommes rentrés dans une économie de guerre. Tout le monde sait que cette baisse de régime qu'on a enregistrée à partir de 2000 n'était que la conséquence de ces tentatives de déstabilisation. Tout le monde le sait. Puisque toute la frontière sud de la Guinée, Libéria et Sierra Leone, nous étions attaqués. J'ai rappelé tout à l'heure les parties qui ont été occupées par cette rébellion, qui étaient assumées. Et vous le savez qui était derrière ces rébellions. Vous connaissez ces rébellions qui étaient derrière. Je n'ai pas besoin de le dire. Vous savez qui était derrière la tentative d'assassinat du général Lansana Conté à Anko 5. Je n'ai pas besoin de le dire. Mais voilà pourquoi le régime, le rythme du développement a baissé à partir de 2000. Parce qu'à partir de là, les maigres ressources qu'on avait étaient absorbées par les dépenses de sécurité et de défense. Et naturellement, ça a déséquilibré le cadre macroéconomique et les financements extérieurs ont baissé. La crise de la dette s'est imposée. Donc, il ne faut pas que les gens... Malgré ça, il y a eu du progrès. Mais il ne faut pas que les gens attribuent ça au général Lansana Conté, surtout ceux qui étaient derrière ces tentatives de déstabilisation. Il fallait que rappeler ça aux Guinéens. Mais malgré tout, comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de progrès. Les gens se souviennent du projet, des progrès réalisés dans le génie RUT, dans la construction des pistes rurales, dans la construction des équipements ruraux de façon générale. Et tout le monde se souvient également dans le domaine de la santé, les progrès qu'il y a eu. Donc je tenais à terminer cette réplique face aux accusations qu'Alpha essaie de porter contre le général Lansana Conté, même s'il préfère indexer directement les premiers ministres. Puisque de toute façon, on a dit, voilà, moi je prends la Guinée là où Sékou Touré l'a laissée. Mais Sékou Touré, là où le général Conté a trouvé la Guinée, en plus des libertés,
J'ai parlé de liberté, il y a eu des infrastructures, il y a eu des progrès immenses qui ont été réalisés. Ça, je voulais rectifier cette perception que Alpha tient à ancrer dans l'esprit de Guinée, que le général Lansana Conté n'a rien fait. Alors, je vais aborder la question de la hausse du prix des carburants, du carburant, des conséquences. Je vous avais dit ici qu'il n'était pas possible d'augmenter le prix du carburant et de stabiliser le prix du transport. Parce que le carburant entre dans la composition de la formation du prix du transport. C'est la principale matière consommable utilisée dans le transport. Alors, le gouvernement a dit non, il a négocié avec des syndicats, avec le patronat qui représente la profession et qu'ils sont tous d'accord que le prix du carburant ne va pas augmenter. Mais les transporteurs, les taximètres n'ont pas atteint. Le lendemain, le prix du carburant à Conakry est passé par tronçon de 1500 francs à 2000 francs, soit 33% d'augmentation. Et au niveau de Conakry, le Mabana, c'était 1000 francs par tronçon, c'est passé immédiatement à 1500, soit 50% d'augmentation. Et le gouvernement continue de clamer qu'il n'y a pas d'augmentation. Mais ils le savaient, même s'ils sont des socialo-communistes qui ne disent pas la vérité, et ils pensent qu'ils peuvent tordre le cou à la vérité des prix, mais tout le monde sait à Conakry aujourd'hui que le prix du transport a augmenté de 33% pour les taxis et de 50% pour les Mabana. En ce qui concerne le transport interurbain, je pense qu'on l'a rappelé, pour le coût de la tonne, d'abord pour le fret, pour transporter une tonne de Conakry et Zérikoré, il fallait payer 500 000. Dès après l'augmentation du prix du carburant, c'est passé à 600 000. Ça fait 20% d'augmentation. Pour Conakry-Sigiri, c'était 450 000. On est passé à 550 000. Pour Banankoro, on est passé de 700 000 à 800 000. Pour le transport des voyageurs, tous les coûts, tous les prix du transport interurbain ont augmenté. De Dabola à Kourousa, de Mali à Labé, de Massanta à Zérikoré, tous les prix ont augmenté. Alors, pour le départ de Conakry, le ticket individuel est passé de 270 000 à 300 000 pour la destination Zérikoré. Pour la destination Kissidigou, on est passé de 140 000 à 180 000. Le ticket individuel. Conakry Koundoura de 250 000 à 280 000. Conakry Mamoun de 100 000 à 125 000. Ces prix ne sont même pas stables. Parfois, c'est plus. C'est-à-dire, c'est à la tête du client. Mais c'est que la conséquence, chaque fois que le prix du carburant augmente, l'ensemble des prix augmente. C'est le produit dont l'augmentation du prix a plus d'impact sur les autres biens et services. Alors, lorsque vous êtes dans un contexte où le réseau routier est désastreux, il l'était déjà avant les fortes pluies, mais cette dégradation du réseau routier s'est encore aggravée. Et naturellement, tout est transporté, que ce soit la feuille de patate, que ce soit la feuille de manioc, que ce soit la pomme de terre, que ce soit l'huile de palme, que ce soit la banane loco, tout est transporté. Et sur les marchés aujourd'hui, tous les produits ont augmenté. Et selon le résultat d'une enquête menée par Guinée News et publiée le mardi 17 août sur son site, le prix du bouquet de feuilles de patate est passé de 1000 à 3500. Le prix d'une tomate moyenne est passé de 500 à 2000.
Le prix du pot d'huile est quant à lui passé de 2500 à 4000. Comment les gens font pour vivre? Ça, c'était prévisible. Nous sommes en période de soudure, où le chômage des jeunes a atteint des niveaux insoutenables. La preuve, le départ pour l'Europe, avec toutes les pertes, les décès qu'on enregistre dans le désert, et les prisons en Libye, et les noyades dans la Méditerranée, tout cela, c'est la conséquence de la situation économique précaire que nous vivons. Mais les produits importés n'ont pas été épargnés par cette inflation, qui n'est pas certes liée qu'à l'augmentation du prix du carburant. Il y a d'autres facteurs. La rupture des chaînes d'approvisionnement liées à la COVID-19, mais également l'augmentation du fret maritime, mais aussi l'augmentation des impôts et taxes au cordon douanier. Vous savez, Alpha dit qu'il a passé des contrats avec les gens. Alors les gens, les services des impôts, ils vous imposent de payer des impôts et taxes qui n'ont rien à voir avec les revenus que vous tirez de vos activités. Et au cordon douanier, les prix, les droits d'entrée ont fortement augmenté. Le sucre est passé de 360 000 francs à 430 000 francs le sac de 50 kilos. L'huile de 300 000 à 335 000 le bidon de 20 litres. Le lait sucré de 270 000 à 360 000 le carton de lait. La sardine de 420 à 480 le carton. Aujourd'hui, de l'autre côté, les transporteurs ont d'énormes difficultés pour équilibrer leurs comptes en raison de l'usure accélérée des pneumatiques et des pièces de rechange liées justement à l'état désastreux du réseau routier, mais également à l'inflation qui frappe les prix à l'importation de ces consommables et pièces de rechange. J'ai donné à titre d'exemple parce que les transporteurs aussi, c'est des entreprises qui créent des emplois et qui font de bonnes prestations pour le fonctionnement de l'économie. Mais ils souffrent aussi de leur côté. À titre d'exemple, le pneu 315 qui était vendu à 2 millions est aujourd'hui vendu à 2 500 000. Le pneu 385 qui était vendu à 2 400 000 aujourd'hui c'est 3 millions. La suspension des camions qui coûtait 12 millions, camion remorque, maintenant c'est 17 millions. Parce que lorsque vous n'avez pas de route, j'ai rappelé que l'État, au lieu d'entretenir le réseau routier, tout le budget qui était affecté à cet entretien a été utilisé pour financer le troisième mandat. Et l'état du réseau routier, il est là maintenant. Alors, lorsque vous faites un voyage, vous revenez, il faut changer les lames ressorts, les crémailleurs, parfois les châssis. Toutes les pièces s'usent à un rythme insoutenable. Et beaucoup d'entreprises de transport sont en faillite. Et vous augmentez le prix du carburant, vous leur dites de ne pas augmenter le prix du transport. Ce n'est pas possible. Je suis défenseur des consommateurs et non des transporteurs. Mais je dois comprendre aussi les transporteurs qui sont des Guinéens, qui ont décidé d'investir dans ce secteur pour gagner de l'argent. Mais sans compter que c'est au même moment que le gouvernement a décidé d'interdire l'importation de véhicules d'un certain âge. Et bien entendu, donc l'offre de transport risque de baisser et à la suite aussi de cette décision. Qui a une bonne décision dans un contexte normal de fonctionnement de l'économie? Mais nous sommes dans une crise. Lorsque vous devez prendre des décisions en période de crise, vous devez avoir à cœur de défendre d'abord la majorité des Guinéens pour ne pas prendre des décisions qui viennent aggraver les conditions de vie de vos compatriotes. Malheureusement, Alpha Condé, ce n'est pas son souci. Son souci, c'est l'enrichissement du clan et puis l'exercice d'un pouvoir absolu en déstabilisant les institutions, en étant le seul qui détient le pouvoir et tout le pouvoir. Parce que fermer les frontières, ça a contribué naturellement à renchérir non seulement les prix de certains produits qu'on importait à bon prix du Sénégal, mais également des pièces de rechange. Beaucoup de transporteurs s'approvisionnaient en pièces de rechange à partir du Sénégal. Donc voilà un peu
J'aurais pas voulu avoir raison sur le gouvernement parce que j'ai prévenu. Parce que le coût de la vie est aujourd'hui devenu difficile à supporter par les pauvres. Et moi, c'est d'abord les pauvres qui nous intéressent. Et je suis malheureux de constater qu'Alpha Condé n'a aucun égard pour les conditions de vie de ses compatriotes. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous les intervenants. Alors, mesdames et messieurs, ainsi prend fin notre 13e Assemblée Générale Virtuelle. Mais n'oubliez pas, vous avez dû remarquer qu'il y a moins de personnes accueillies aujourd'hui dans notre salle d'Assemblée, mais également dans la cour. Nous allons continuer à durcir, nous allons en tout cas continuer à prendre des mesures afin de respecter les consignes édictées par les spécialistes de la santé publique. Vous savez, le variant Delta de la COVID-19 est assez virulent, qu'il faut s'en méfier absolument, à la fois pour nous-mêmes et pour ceux et celles que nous aimons. Alors, nous réitérons que désormais, ne viendront à l'Assemblée générale que ceux qui vont être invités à prendre la parole. Alors, si vous n'êtes pas invité à prendre la parole, il vaut mieux suivre l'Assemblée générale à la maison. Aider aussi madame et les enfants à regarder l'Assemblée générale, ce serait très bien. Beaucoup ont cessé de venir. Ils aident les autres militants et sympathisants à suivre l'AG dans les quartiers. Il serait important que chacun de nous fasse de même. Ainsi, vous n'aurez pas participé à la réussite de l'AG seulement en venant ici, mais également en aidant d'autres à regarder à travers votre téléphone, puisque vraisemblablement vous maîtrisez mieux que madame, ou madame maîtrise mieux que monsieur, ou les enfants. Alors donc Nadia me fait un clin d'œil. Il y a des dames qui maîtrisent beaucoup mieux que monsieur, ça je le confirme. Ah oui, il y a des enfants 2.0, c'est vrai, 2.5 maintenant, qui maîtrisent beaucoup mieux que papa et maman. Donc sur ce, nous vous disons merci et bonsoir. We'll be right back.